Et bonjour à tous, c'est John Jonan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur Dokkan Battle, la célébration des 1000 jours vient de débuter. Donc petite vidéo pour faire le point très rapidement sur la célébration, parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à dire. Honnêtement, vous savez que ça fait un petit temps qu'on se fait chier sur Dokkan. Bon après c'est normal qu'il y ait des périodes de creux, hein, on va pas toujours être en célébration. Mais en fait, on va pas avoir à faire grand chose pendant cette célébration. Hein. Bon, on va faire le point. Donc c'est parti, célébration des 1000 jours, partie 1. Alors attendez, on va checker tout de suite le bonus de connexion. 1000 jours, on aurait pu penser à 1000 DS. Bon, je plaisante, 100 DS. Bon, ok, ouais, bon. Bah, d'un côté, si, c'est, ça aurait été possible. Après tout, il y a des tops où il y a des 100 DS, alors pourquoi pas. Eh bien, ce sera 10 DS. Voilà, ce sera 10 DS. On va pas cracher dessus. Hein. On va pas cracher sur 10 DS. Donc, premier jour, 10 DS. Une DS, un vieux Kai. Deux carapaces de Kamessinine. Enfin, puissance. Et puis, un ticket. On aura un ticket tous les jours, une DS tous les jours. Bon, voilà. Ils auraient pu donner 10 DS tous les jours. Hein, je sais pas. Donc, un ticket tous les jours. Alors là, c'est la partie 1, les gars. Il y aura deux parties. Et moi, je vous dis que dans la partie 2, à tous les coups, il y aura Bojack. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et peut-être même Bardock, qui sait. Alors, donc du coup, donc attendez, ça en fait combien? Ça en fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, attendez, c'est le même là. Ah oui, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça fait 10 tickets pour la première partie. En bonus de co. Ensuite, on a les missions limitées qui sont juste ici. Juste en dessous. Alors, quelles sont-elles? Donc, du coup, quotidien, 10 ACT, 30 ACT, ça fait 2 tickets. Sachant que ils nous disent, donc apparemment, c'est sur 10 jours, puisqu'on en aura 20. Ce qui fait, en additionnant avec les autres, je sais même plus ce que je dis tout à l'heure, mais je crois que c'était 10, donc ça en fait 30. Partie 1. Donc, il y a une deuxième partie, forcément, qui sera dans un deuxième temps. Donc, a priori, on va avoir quand même... il me semble que sur Ajap, on a vu une trentaine de tickets. Pas plus, ça voudrait dire qu'on en aurait plus sur la globale, je sais pas, à vérifier, hein. Je suis pas sûr. Alors moi ce que je vais faire avec les tickets, c'est que je vais les paquer, comme ça on fera un live invocation, parce que sinon voilà, c'est pas... Je préfère les paquer pour les invoquer avec vous, plutôt que de faire ça dans mon coin. Et puis on verra bien, je vais vous dire pourquoi pas ce que j'aimerais avoir juste après, parce que... Enfin je sais pas si le portail est dispo en fait. Donc voilà, ensuite, hormis ça, 1000 ACT, un vieux Kai, on prend, et puis une DS en faisant des Dokkan Event, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 DS, donc ça fait encore 10 DS. Donc 10 DS, 20 tickets, enfin, oui si c'est ça, 10 DS, 20 tickets, donc c'est pas dégueu, on va pas cracher dessus. Alors, qu'y a-t-il d'autre dans cette première partie de la célébration? Alors le Goku LR, que 1% des joueurs vont avoir, bon bah ça, on le savait déjà. Donc bonus de co, ça on a vu. Alors impact pilaf, on va aller voir après, j'ai pas regardé. Je vais pouvoir, vous allez pouvoir... Ah quoique, attendez. Ah non, il est pas encore dispo. Il est pas encore dispo les gars. 22h30 PST, donc en fait il sera dispo que demain. Bon bah on en reparlera demain, c'est pas grave. On en reparlera demain, je sais pas. Du coup je sais pas ce qu'il y aura dedans, mais a priori, moi je vois pas de DS. Je vois des tickets, ouais ok, et je vois un Daikai à droite. Je sais pas quoi vous dire, on verra demain. Parce que du coup là, il est pas dispo, c'est 22h30 PST, donc c'est mort, ce sera demain. Alors, Panabé qui va obtenir son éveil, donc 2 fois tous les 7 jours, d'accord. Ouais. Et puis, vous pourrez tenter l'aventure secrète de points une fois tous les 7 jours après le 17, oui, bon, ça ok. Donc on pourra le faire 2 fois le week-end. D'accord, ah oui, et puis à partir de ce moment-là, ça sera 7 jours après le dernier essai, ce sera plus forcément le dimanche, ce sera à partir de votre dernier essai. Ouais, d'accord, ok, bon, rien de transcendant, elle va obtenir son TUR qui est très 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 bon, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, je vous mettais le bouton I à droite pour l'analyse des cartes. Le Festival de Dokkan, on va voir, bah non, il y est pas, 22h30, donc il y est pas non plus. On sera que à partir de demain, mais de toute façon, c'est très simple, hein. Le portail c'est très simple, il y a tous les Néo-God tiers. Tous les God tiers, tous les premiers leaders monotypes qui ont un arbre de rang S, ainsi que Vegeta SJ3, puis Janemba Intelligence, Bou Endurance, etc. Donc c'est, voilà, y a pas de surprise. Me concernant, j'aimerais beaucoup avoir du Super C17,
Pourquoi pas du Broly SJ3 du coup là, parce que j'ai pas de doublon, après le reste ça m'est égal, mais on y reviendra. De toute façon je vais tout paquer du coup. Les tickets d'invocation, nanana, requis pour effectuer des invocations, nanana, séparation des 8 jours peut être obtenu dans... oui donc dans la C, enfin dans... Ok, et dans le pack Pilaf évidemment. Super, on est content. L'invocation de type tech, très bien. Je vois pas ce que ça vient foutre là, mais bon, bah, pourquoi pas. Ils sont les portails avec les 3333 orbes, comme sur la Jap. Moi, j'aimerais bien qu'ils les mettent, hein, parce que on est en PLS d'orbes sur la globale. Je sais pas s'ils sont au courant, les développeurs, mais on a plus d'orbes. Mais bon, c'est pas grave, hein. Enfin, je dis ça en général, mais on est tous en PLS, au moins d'orbes puissants, ça c'est sûr. Ensuite, le story event de Raditz, j'en ai déjà parlé pareil, dans l'autre vidéo, concernant l'analyse de la carte, donc ça c'est cool. Le nouveau Carnage Free-to-Play qui est très très bon, qui arrivera que le 4. Enfin le 4, même le 5. Ce qui est marrant, c'est que en fait là il n'y a rien à faire en fait. Hein, je veux dire, enfin ça c'est que le week-end. Hein, donc, et ça prend 2 secondes, hein, montre en main. Donc en fait il n'y a rien à farmer en fait. À part Raditz qui arrive le 5, donc tout, pas maintenant. En fait il n'y a rien à faire. Donc voilà, Dokkan Event ouvert tous les jours. Ok, super. Et voilà, c'est terminé. Donc bon, c'est cool, les tickets c'est cool. On va avoir 30 tickets pour la première partie, ça c'est très bien. Les DS, bon. On a eu 10 DS, plus l'émission limitée, plus le bonus de co. Ça doit faire quelque chose comme 30 DS, un truc comme ça. Ok. Bon, après, on parle d'une célébration de 1000 jours. Hein. Après, sur la Jap, faut savoir que la célébration était pas ouf. Hein, mais vraiment pas ouf du tout. Je pense qu'elle était peut-être même pire que ce que j'ai pu voir là. Enfin, c'était un peu le même délire. Mais vu qu'on a deux parties, je me dis que... Voilà. Je pense que Bojack va être inclus dedans. Peut-être Bardock qui sait en deuxième partie. C'est fort probable. En tout cas, pour l'instant, cette première partie... il n'y a pas grand chose, hein, je veux dire, il n'y a pas grand chose. Surtout que presque personne ne va avoir le Goku LR. Encore, le Goku LR, il serait donné, alors, peut-être pas à tout le monde, mais je sais pas, t'as un an de jeu, tu l'as quoi. Enfin, 1000 jours. Mais 1000 jours, c'est. Alors certes, il est très très bon, mais quand même, faut pas déconner. Ou alors, ils auraient dû faire un truc genre, je sais pas, un an, tu as un doublon, enfin, t'en obtiens un, deux ans, t'en as. Enfin, tu vois, je sais pas, et au 1000 jours, t'as le dernier doublon. Enfin, je sais pas, ça aurait été quand même un peu plus sympa. Mais bon, voilà les amis, bah on a fait le tour, la petite vidéo, du coup je pense que je vais vous la poster tout de suite, voilà, il est 2h30 du matin, mais en fait je savais pas si les news allaient tomber aujourd'hui ou demain, donc j'ai vérifié, donc bon, je vais vous la poster là. Demain il y aura aussi d'autres vidéos concernant ma box, parce que j'essaie de les faire rapidement, parce que sinon ça n'a pas de sens, si j'attends trop longtemps, après la box va changer, c'est un peu débile. Voilà, rien va changer, je vous rassure, hein, rien qui va changer. Alors je vais prendre le bonus de co, mais de toute façon le portail va pas apparaître, hein, parce qu'il y a le ticket en question, ici. Et puis le vieux Kai. Mais bon, je pense que ça va rien changer. Les DS, je vais tout paquer. Hein. Oula, je vais tout paquer. Je vais tout paquer pour Bardock qui va arriver certainement incessamment sous peu. Après Bojack, y a pas le portail. Bojack, je m'en fous un peu parce que j'ai passé le Battle Road d'extrême intelligence. Donc autant vous dire que je m'en fous un peu en fait, hein, de l'avoir ou pas. Ça va rien changer à ma vie. L'extrême Z Battle, il est fait aussi. Voilà, après je pense j'invoquerai quand même, peut-être on verra bien, voilà, on verra. Bon. Sur ce les amis, passez une très bonne journée. Donc d'autres vidéos à venir dans la journée. Et puis à très bientôt en live certainement. Pour invoquer sur Thalès Extrême Agilité, je vous tiens au courant sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre. Le pouce bleu, abonnez-vous. Passez une bonne journée. Salut !